Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous allez passer de bonnes vacances hein, pour les hors-saisonniers. Je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à vos situations, adapté à tous les domaines de votre vie. N'oubliez pas que ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie et qu'elles existent pour vous aider au quotidien. Merci les amis, nous sommes plus de 33 000 aujourd'hui. Merci pour votre amour, merci pour votre confiance à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter, mettez des pouces. Tout ça, ça permet à la chaîne d'être visible sur YouTube. Et puis ensemble, ça nous permet de toucher d'autres cœurs, d'autres âmes qui ont besoin d'éclaircies, qui ont besoin de lumière sur leur chemin. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com, à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie vous concernant, pour des soins énergétiques, pour des purifications du chakra, pour des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer 33 années de karma au niveau collectif. Donc voyez ce qui se répète dans votre vie, voyez les schémas qui se répètent, les toxicités, les liens peut-être toxiques qui peuvent se répéter. Il y a peut-être justement des libérations à faire. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il me semble que je n'ai rien oublié. Si, abonnez-vous les amis, abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. D'ailleurs, je compte bientôt faire un soin collectif sur la chaîne. Vous serez averti de la date de ce soin via l'onglet communauté. On y va? Let's go! Le signe lunaire est le taureau. Coucou les taureaux! J'espère que vous allez bien mes taureaux. On va aller voir ce que vous réserve cette rentrée avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Cerf. Alors je vous le dis d'entrée les taureaux, j'ai mal à la gorge. Ça travaille dur au niveau de la communication et de l'expression et peut-être même de la créativité. Le chakra de la gorge est le siège de l'âme. Donc il y a quelque chose à extérioriser. Il y a quelque chose à exprimer sans crainte, détaché du regard des autres. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance dans les énergies de la chance. Tu entres maintenant dans une énergie de grand soleil et tu es accompagné par tous les signes et toutes les synchronicités. Tout va très bien se passer, cela sans procurer de grands efforts. Oh là là, mais quel chanceux! Quel signe chanceux, mes amis taureaux! Alors, vous déjà, vous êtes chanceux de base. Je vous taquine, mais vous avez Jupiter pendant une année entière jusqu'à fin mai quasiment l'année prochaine. Donc, on voit bien que tout ce que vous allez entamer comme action, tout ce que vous allez entamer comme projet va forcément réussir, va forcément aboutir, d'accord? Donc, c'est comme un rappel. C'est comme un rappel, c'est pour vous dire continuez de persévérer, continuez d'avoir confiance en vous et en la vie parce qu'il y a des événements imprévus qui peuvent peut-être vous donner envie d'abandonner alors que vous êtes si proche du but. D'accord? Donc là on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Vous allez réussir à dépasser tous les défis qui se présentent à vous. La chance est avec vous, le soleil aussi, Jupiter aussi. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour dépasser tout ça. D'accord? Donc, croyez en vous. Restez courageux, restez persévérant. Et c'est comme si qu'on vous demandait de continuer à faire ces efforts-là pour aller au bout de ce qui vous tient à cœur, pour aller au bout de vos projets. D'accord? Et puis, peut-être qu'il est temps d'oser aussi, les taureaux, de vous montrer tel que vous êtes. Hein. Peut-être que c'est ça aussi, hein, ce qui me chatouille dans la gorge, ce qui vient me chercher dans la gorge. C'est comme si vous aviez peur de prendre la parole, c'est comme si vous aviez peur d'extérioriser votre personnalité. Et pourtant, là, on vous invite ce mois-ci à oser vous montrer tel que vous êtes. Il y a des parties de vous qui se cachent encore aux autres. Et c'est comme si vous vous disiez, oh, ils ne peuvent pas me comprendre, ils ne peuvent pas comprendre qui je suis.
Ben non, justement, montrez-vous tel que vous êtes. Et vous pouvez peut-être inspirer d'autres personnes à faire cette démarche-là. D'accord? Pour d'autres encore, attention au schéma qui se répète. D'accord? Si ça se répète, c'est que la leçon n'a pas été comprise. Alors, essayez de voir pourquoi ça revient encore et encore. Et peut-être qu'il est temps de faire autrement. Justement, si ça se répète, c'est parce que vous avez peut-être l'habitude de faire comme d'habitude, les taureaux. Et on sait tellement, tous les deux, on sait tellement que vous aimez votre routine. Je suis moi-même ascendant taureau. Et oui, notre routine est très sécurisante, mais osez les défis, osez l'inconnu, osez la nouveauté, mes amis taureaux. Ben oui, profitez de cet espace chanceux qui est dans votre signe. Hein. On y va avec... Oh, ben j'ai pris Colette. Non, je voulais prendre la triade. On y va avec la triade. Vous voyez, je suis d'une humeur, là, les taureaux. Enfin, c'est votre énergie du mois de septembre. Hein. Ça y est, on redevient ambitieux, on redevient joyeux, on croit en son abondance et on sort du doute. C'est quoi ce doute? C'est quoi ce doute? Ben, c'est votre manque de confiance en vous. D'où vient ce manque de confiance en vous? Chakra du plexus solaire a travaillé aussi ce mois-ci, en plus du chakra de la gorge. Le chakra du plexus solaire, il est associé à l'ego, au mental. D'accord? Donc il y a peut-être des choses que vous vous répétez qui sont fausses et qui sont liées à l'estime de vous-même. Au lieu de vous dire que vous n'y arriverez pas, que c'est pas pour vous, que vous n'y avez pas, enfin voilà, que vous n'avez pas le droit au bonheur, que vous n'avez pas le droit à l'amour, concentrez-vous plutôt sur des énergies positives. Vous faites de votre mieux. Je vais faire de mon mieux. Je vais tenter. Je vais essayer. Allez, je vais prendre des risques. Je vais être courageux. Je vais être courageuse. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'être combatif. Là, le doute. Oui, le doute va s'installer quand il y a des imprévus, quand il y a des inattendus, quand il y a des obstacles comme ça qui viennent à nous. Ça nous met en doute. Ça nous énerve, ça nous met en colère. Ça nous rend confus. Ça nous déstabilise un peu. Mais c'est pour mieux se repositionner, c'est pour mieux se réaligner, les taureaux. Alors, ce doute, ces questionnements, ils existent pour une raison. C'est peut-être aussi pour vous faire sortir de schémas répétitifs, négatifs, d'accord? Il y a quelque chose que vous allez perdre ce mois-ci et qu'il faut accepter de perdre. Il y a quelque chose qui va peut-être se déconstruire, qui va peut-être tomber. Voilà, je sens comme ça une déconstruction, une chute. Ça va être incompréhensible pour vous. Mais c'est nécessaire pour que vous puissiez aller vers ce que vous avez demandé. C'est nécessaire pour que vous puissiez être réaligné à vos prières, à vos rêves. Vous avez demandé des choses, les taureaux. Vous avez espéré des choses. Alors oui, peut-être que l'univers ne va pas vous faire prendre le chemin le plus éclairé, le plus facile, mais peut-être parce que vous avez des choses à apprendre sur ce chemin avant d'aller vers le bonheur, vers l'amour, vers la joie. Ben oui, parfois, on a une direction, on sait où on veut aller, mais l'univers nous dit, bon, ben, tu vas t'arrêter là. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'accepte, j'accueille, j'ai des choses à apprendre sur cette aire d'autoroute et après, je reprendrai mon chemin. C'est ce qui vous attend. Donc, lorsqu'il y a un doute, il y a des questionnements. Et peut-être que vous avez un choix à faire, un choix d'âme. Oui, il y a peut-être un choix fort à faire ce mois-ci. Un choix d'âme très important qui vous fait peur. Et c'est OK d'avoir peur. Quand on a des décisions à peur, il n'y a pas de mal à avoir peur. Il n'y a pas de mal à avoir le trac. Derrière chaque peur, il y a un cadeau. Plus grande est la peur, plus grande est le cadeau, mes amis taureaux. D'accord? Mais il y a une reconnexion avec votre âme ce mois-ci, plus que d'habitude, qui vous fait prendre des décisions alignées. Peut-être qu'avant, vous aviez pour habitude de prendre trop de décisions liées à l'ego. Là, c'est l'esprit qui s'en mêle. C'est comme un ordre divin. C'est incroyable, ça me fait penser au tirage des béliers, qui est très très puissant. Donc si vous avez un ascendant bélier, les amis, je vous invite à aller le voir. Hein. Très costaud d'ailleurs, le tirage des béliers est très émouvant, puisque,
puisque ça m'a fait voilà, ça m'a beaucoup beaucoup touché ce tirage, hein. Donc la lumière éclaire, la lumière va apparaître sur une situation ou sur une relation qui a trop longtemps duré, qui se répète depuis trop longtemps aussi. D'accord ? On continue avec Colette, Baron Red, l'esprit, l'oracle de l'esprit animal pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. L'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent, vous voyez ? Elle est là, la chance ! L'abeille, c'est signe d'abondance. Alors, c'est signe de travail, bien sûr. L'abeille, elle travaille. Et en plus, elle travaille en équipe. D'accord ? Et on vous dit, continuez de faire des efforts. Continuez dans vos efforts. Continuez de persévérer. Vous allez récolter le fruit de votre travail. De beaux résultats arrivent. C'est quelque chose qui existe. Ces messages existent pour vous rassurer. Si vous attendiez des signes, ils sont là, les taureaux. Vous êtes sur la bonne direction, dans la bonne direction. L'esprit de l'abeille, il est aussi lié au soleil. Donc, on voit bien que tout vous réussit. La lumière, elle est là. Vous allez vous réaliser. Il y a une clarté. Il y a une clarté qui se fait sur moi, ce mois-ci, sur ce que vous avez envie d'être, de vivre, de créer. Et vous allez parfaitement l'incarner, les taureaux, hein. Vous allez, il y a quelque chose de très exemplaire, hein. Montrez le chemin. Vous êtes un leader, les taureaux. Il y a quelque chose avec le fait de regardez-moi, j'ai réussi, je l'ai fait. Inspirez les gens. Soyez inspirés et inspirez les gens qui vous entourent. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de donner, de recevoir dans la grâce divine, dans la gratitude, dans la bienveillance, dans la compassion. Vous êtes fait pour être au service du monde, des gens. Vous voyez, les taureaux, si vous vous posiez des questions à propos de votre mission de vie, la réponse est là, oui, vous êtes fait pour être guide, maître spirituel, thérapeute, coach. Il y a le travail en équipe, en tout cas ce mois-ci, va être bénéfique, va être positif pour vous, d'accord ? On continue avec le tarot. On va aller voir la coupe, le tarot de l'illumination de Matthew. Je suis très en joie, très très en joie. Je respire le bonheur. Mais c'est incroyable ce que je ressens. C'est vous allez vers une nouvelle abondance. Non seulement vous allez être un nouvel être parce que vous allez décider de l'être et de le vivre, mais en plus il y a l'univers qui est avec vous. Regardez, 6 de bâton et le puits. Oh là là, mais quel tirage de ouf, quel tirage de dingue. 6 de bâton, les amis, victoire, réussite. Vous allez être reconnu pour ce que vous faites. On vous demande de vous placer en leader. Et je vous le disais juste avant, c'est le moment de briller. C'est le moment de prendre votre place, d'être à votre juste place. Vous méritez d'être vu. Vous méritez d'être reconnu pour ce que vous faites. Soyez légitime car vous l'êtes. D'accord ? Attention à tout cet auto-sabotage, hein, le doute qui sème un peu le chaos dans votre tête. Attention à l'auto-sabotage, ne vous tirez pas une balle dans le pied, les taureaux. Vous êtes faite pour briller. Placez-vous en leader, d'accord ? Il est temps. Cessez de vous poser en victime, cessez de réduire vos capacités, de réduire ce que vous êtes, parce que vous méritez le bonheur, vous méritez le meilleur. Donc ce mois-ci, si vous attendiez une réponse, une récompense, elle est là. Elle est là. Vous allez sortir victorieux. Peut-être que si vous étiez en pourparlers dans des discussions professionnelles ou pour une rupture de contrat ou un licenciement, si vous aviez une action en justice, la réponse est positive pour vous. D'accord ? C'est peut-être pour ça que vous doutiez aussi, hein. Peut-être que votre pouvoir était encore aux mains de certaines personnes. En tout cas, si c'est le cas, reprenez ce pouvoir-là. Avec le puits, on vous encourage à être créatif, à être naturel et à saisir les opportunités de ce mois de septembre. Mais on dirait que c'est votre anniversaire, les taureaux. C'est quand même dingue.
C'est quand même dingue ce que je ressens. C'est pas votre anniversaire, mais c'est votre anniversaire. Alors peut-être que vous avez aussi un ascendant vierge. Parce que le tirage des vierges, il est aussi incroyable. Donc allez voir ce tirage-là. Je reviens à mes moutons. Je sais plus ce que je vous disais. Trois de bâtons et quatre de pentacles. Ah oui, avec le puits. On était au puits. Le puits, c'est Gaïa. Le puits, c'est la carte des inspirations et des transformations. D'accord? On vous encourage à être créateur de votre vie. On vous dit, c'est le bon moment de rêver votre vie vraiment et de la matérialiser, d'y croire. D'accord? Donc, restez persévérant. C'est toujours la même énergie, persévérance et chance. Donc saisissez ces énergies solaires qui se présentent à vous et qui vous invitent à dominer votre vie, à aller plus haut, plus loin. Le 3 de bâton, c'est ce qui l'exprime. Élargissez vos horizons. Débutez un projet de cœur. Partez à la conquête de votre monde. D'accord? Vous devez croire en vous. Qui mieux que vous peut croire en vous, en vos capacités? D'accord? Allez plus loin. Si vous avez commencé un projet, si vous avez terminé un projet, peut-être qu'on vous invite cette fois-ci à aller plus haut, à voir plus grand, parce que vous en êtes capable. En tout cas, on vous demande d'explorer la vie sous un autre angle, d'oser aussi peut-être voyager, d'oser étendre vos projets à l'étranger. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de sortez de votre routine, sortez de votre zone de confort, il y a d'autres choses à voir. Mettez-vous au défi, d'accord? Quatre de Pentacle. Alors on est dans des énergies de feu, on le voit bien, et puis avec cette carte majeure du puits, on vous encourage à créer de plus en plus, et plus haut, plus fort, d'accord? Avec le 4 de Pentacle, on est dans les énergies de denier, et on voit bien cette peur de dépenser. Bah oui, le taureau est un écureuil. C'est drôle de vous dire ça, mais c'est ce qui me vient. Oui, le taureau est un écureuil. C'est quelqu'un qui économise beaucoup parce qu'il a peur de manquer. D'accord? Et puis bien sûr, ça vient aussi mettre en lumière ce manque. D'où vient ce manque? Pourquoi portez-vous autant de manques financiers? D'accord? En tout cas, les projets qui arrivent vont vous demander aussi, pour certains et certaines d'entre vous, d'économiser pour trouver une certaine stabilité. Et puis pour d'autres, on vous dit dépenser, il est temps. Ça y est, vous avez suffisamment mis de côté pour pouvoir enfin monter cette structure, enfin monter votre entreprise ou partir à l'étranger. Très intéressant. Ok. Bon. En tout cas, on voit qu'il y a de grandes choses qui vous attendent. Il y a de grandes choses qui vous attendent. Et pour certaines d'entre vous, on vous dit que vous allez devoir dépenser beaucoup d'énergie. Donc attendez-vous justement à avoir une période un peu comme ça, très dynamique. On va vous solliciter de partout. Donc, à l'heure où je vous parle, rechargez vos batteries. Allez, on y va avec votre état d'esprit, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Quel tirage, j'adore! Je suis en joie. 6 de coupe. Oui, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de spontanéité. Bien sûr, il y a une ouverture de cœur qui se fait ou qui s'est faite. Hein, on sait bien que le 8-8 a été très important, très fort en énergie. Beaucoup d'ouvertures de cœur se sont faites pendant ce portail du lion. Et peut-être que vous en avez bénéficié. Là, on vous invite à être fou, on vous invite à être folle, on vous invite à être léger. Bah oui, suivez votre cœur, écoutez-le, il vous emmène vers d'autres horizons. Suivez cette sensibilité, cette ouverture affective qui vous amène vers une nouvelle passion, vers une nouvelle direction et peut-être même vers une nouvelle relation. Ce mois-ci, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, quelqu'un qui va vous aimer, quelqu'un qui va vous faire déborder d'amour et qui va vous inviter à être fou, à être folle, à partir à l'aventure, qui va vous inviter à créer un nouveau départ. Fabuleux! Je sais plus, j'ai plus de mots, je suis tellement joyeuse!
Je suis tellement heureuse. C'est dingue, il est dingue ce tirage. Il est vraiment dingue. D'accord? Et puis pour d'autres, on voit bien. On voit bien que vous avez ce besoin et cette envie de revenir à des choses légères. Il s'est peut-être passé des choses pendant votre enfance qui ont encore un impact sur vous. Vous êtes beaucoup trop sérieux, beaucoup trop rigoureux, beaucoup trop dur avec vous-même. Et peut-être que ça tire justement ces racines de votre enfance. Donc allez voir ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant votre enfance et qui vous empêche d'être spontané, de vous montrer tel que vous êtes et d'exprimer votre personnalité. D'accord? Souvent, quand on a reçu une éducation autoritaire, eh bien, on peut ne pas vouloir être dans cette espèce d'innocence et dans cette spontanéité. Bien sûr, la vie, hein, nous apprend à être plus fort, eh bien, et parfois beaucoup, beaucoup trop fort. D'accord? Donc, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une enfance difficile, pas simple, et peut-être que vous portez encore en vous ces cicatrices, ces peurs de donner, ces peurs de recevoir. Vous n'osez pas vous ouvrir et peut-être que pour vous, la vie a toujours été dure et c'est comme ça et c'est pas autrement. Là, on vous dit que non, il faut oser être différent, il faut oser exprimer ses ressentis, son amour, son affection aux personnes qui le méritent autour de vous. Magnifique, magnifique, très très beau. Et puis pour vous, et pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette envie d'avoir des enfants, peu importe votre âge. Il y a cette envie d'avoir des enfants ou des petits-enfants. Il y a quelque chose avec le fait de vouloir materner, d'avoir des enfants dans sa vie, ou de retourner à une enfance, voyez, d'être plus léger, plus légère. Bon, on continue. Et puis pour d'autres, oui, vous avez des projets liés à l'enfance, liés à l'enfant, qui vous passionnent, qui vous animent, et peut-être que ce mois-ci va être un nouveau départ, va se placer un nouveau projet concernant les enfants. On y va avec vos challenges, vos défis. En tout cas, ça vous tient à cœur, hein. Ça vous tient à cœur. Valet d'épée. Oui, vous voyez, il y a toujours quelque chose lié aux enfants. Peut-être que vous avez aussi, peut-être que vous attendez une décision en justice par rapport à la garde d'enfants. Oui, il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas, il y a quelque chose en justice, dans l'administratif qui est lié aux enfants et peut-être que vous attendez justement une réponse pour pouvoir aller vers vos projets, pour pouvoir démarrer une nouvelle vie. Bon, vous me direz. Valet d'épée. Le valet d'épée, eh bien, c'est. En négatif comme ça, c'est celui qui est bien dans sa zone de confort, hein, qui est bien dans sa routine et qui ne veut pas apprendre, qui n'a pas forcément envie de découvrir la nouveauté, qui ne veut pas forcément aller vers l'inattendu, qui veut, pardon, vers l'inconnu. D'accord? Eh bien là, on vous dit prenez vos responsabilités, les amis. Prenez vos responsabilités, les amis taureaux. Il n'est plus question de procrastiner. Il est question d'aller de l'avant. Et de se faire entendre, de ne plus être dans le déni. Votre vie n'a pas de sens pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous subissez aussi certaines injustices. Il y a quelque chose avec l'injustice. Pourquoi ça m'arrive à moi, j'entends. Et c'est comme si vous subissiez. Il n'est plus question de subir. Il n'est plus question de se poser en victime. Il n'est plus question de procrastiner, il est temps d'arrêter de fléchir comme ça. Il est temps de prendre des décisions, de prendre une décision pour arrêter d'être dans ces énergies d'injustice. D'accord? Il y a une certaine immaturité avec le valet d'épée, vous voyez, il y a quelque chose avec. Je refuse de voir. Je suis têtu, je n'accepte pas ce qui se passe, je refuse de voir la vérité en face. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok, on y va avec vos ressources, vos forces. As d'épée, oui, nouvelles idées, nouvelles manières d'agir, de réfléchir. Ça passe par l'intellect et on adore. On adore. Oui, vous allez trancher.
vous allez prendre une décision assez radicale pour avancer dans votre vie. Il y a une idée qui va vous venir, ou il y a des idées qui vont vous venir, ou peut-être que c'est déjà le cas à l'heure où je vous parle, et vous allez aller de l'avant. D'accord? Là, ça y est, vous avez envie d'être droit envers vous-même et les autres. Il y a quelque chose de très juste qui se pose. Vous voyez, il y a encore cet ordre divin. Je vais réparer un tort. Ou je vais être juste envers moi-même et les autres. Je vais peser le pour et le contre et je vais prendre une décision. Je veux que les choses rentrent dans l'ordre. Vous voyez, je vous dis, ça me fait beaucoup penser au tirage des béliers, hein. Ça suffit, j'arrête de me mentir. Je ne suis plus fait pour cette relation, je ne suis plus faite pour ce travail. Je sais ce qui m'appelle, je sais où je dois aller, mais je refuse d'entendre l'appel, d'aller vers ma vocation. Il y a une leçon de vie, hein, ce mois-ci encore, les taureaux. Il y a une leçon de vie, on y va avec la réponse, le résultat. Pour moi, vous êtes à un autre niveau d'éveil. Le mental va encore gagner en énergie positive. Oh là là, le chariot! J'adore votre tirage, les taureaux! Oh, 5 de pentacle et 10 de couple. Pouh, montagne russe, hein, quand même. Hein. Chariot, on descend au 5 de pentacle et on remonte au 10 de coupe. Incroyable, votre tirage, là. Bon, la sagesse du cœur. Ben oui, la sagesse du cœur, on laisse parler le cœur, on laisse parler l'esprit avec le chariot, on est dans... C'est l'année du 7. Vous êtes dans l'année du 7, ça y est, on reprend les rênes de sa vie, on prend ses responsabilités, mais on veut avancer, c'est ça le chariot, on avance. Quoi qu'il se passe, on part à la conquête de sa vie, on avance malgré les résistances, on en a parlé en introduction, on garde le cap, on suit la bonne direction. Et la chance est avec vous. Ah oui, le chariot, c'est aussi la chance. Vous dominez votre vie, vous dominez vos projets et vous êtes convaincu que ça marchera. Vous êtes convaincu que ça fonctionnera. D'accord? Donc, c'est encore une carte de victoire. C'est encore une belle carte de détermination, de motivation. Donc, continuez d'avoir confiance en vous. Restez maître de vous-même parce que vous allez dépasser tous ces obstacles. D'accord? Et il y a ce manque. Il y a ce manque d'amour qui est là. Il y a ce manque d'énergie qui est là. Vous ne voulez plus croire en rien. Vous ne voulez plus croire au bonheur. Vous ne voulez plus croire en l'amour. Parce que c'est trop de blessures, trop de trahisons, trop de complications. Et pourtant, c'est là. C'est là. 10 de coupe, le bonheur est à... Vous voyez, c'est le dernier... c'est le dernier effort avant le bonheur, la réussite totale. Il y a cette envie d'être en couple, il y a cette envie de fonder un foyer, mais il y a tout ce manque affectif, ce manque d'énergie qui fait que vous avez peur et que vous n'osez pas être dans votre naturel, vous n'osez pas ouvrir votre cœur. Mais là, ça y est, c'est terminé. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, si vous étiez dans des difficultés financières, si vous étiez au chômage, au niveau du travail c'était compliqué, ça va se rétablir. Ça va revenir à une certaine harmonie. Et peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, il va falloir vous déplacer. Oui. Il faut partir. Il faut changer de ville. Il faut changer de pays, il y a quelque chose avec le fait de se déplacer. Je vois certains et certaines d'entre vous prendre la voiture pour vivre le bonheur ailleurs. C'est ça, voilà ce qu'on me dit. Votre bonheur est ailleurs, ne continuez pas. Excusez-moi, je canalise en même temps, je suis à une vitesse là. Je suis à une vitesse de canalisation, je vous raconte pas. Ne continuez pas de rester dans un lieu ou entouré de personnes qui ne vous élèvent pas. Il y a un déplacement, il y a des déplacements. Faut partir, faut déménager, faut prendre la voiture. Il y a vraiment, le bonheur est ailleurs, j'entends. Donc ne persistez pas à être là où vous êtes parce que vous êtes malheureux, vous êtes malheureuse, d'accord? Et puis pour d'autres, le chariot vous emmène vers un bonheur. Vous allez être dans un bonheur familial idéal, voilà, c'est ça. Idéal, belle ouverture de cœur, belle aventure, très belle nouvelle aventure. Puis pour d'autres, peut-être que vous allez vous rapprocher de votre famille.
Vous vous sentez trop seul, éloigné de vos frères, de vos sœurs, de vos parents. Peut-être que vous travaillez à l'étranger, peut-être que vous travaillez dans une autre ville, mais il y a ce manque affectif. Vous avez besoin d'être dans votre famille, de partager cet amour et d'être avec les vôtres. Alors peut-être que vous allez justement décider d'arrêter de manquer d'amour et d'affection et de partir. Enfin, de vous dire, de réaliser que vous êtes parti trop longtemps ou que. Et que ce manque que vous ressentez en vous, c'est juste le manque familial, hein. D'accord? En tout cas, il y a la fin. Pour d'autres, il y a vraiment la fin d'addiction. On met fin à des addictions, à un manque d'amour, à un manque d'argent. Peut-être que vous dépendiez de la volonté de quelqu'un, mais il y a le fait de se libérer de quelque chose, de s'enfuir d'une situation qui vous pompait de l'énergie, qui vous rendait esclave, qui vous rendait addict. Voyez? Et peut-être que c'est lié à des liens familiaux dysfonctionnels, hein? Très intéressant. Hâte de lire vos commentaires. Et oui, n'oubliez pas, je lis tous vos commentaires. C'est pas. Oui, je sais qu'on est très nombreux, mais je lis tous vos commentaires. Donc, commentez, les amis. Commentez. Hâte de voir ce qui résonne. On y va avec le professionnel. Message de ton corps. Pour les taureaux ascendants, taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Créer. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Oui. Ah bah, on parlait d'enfance et d'enfant intérieur. Il y a cette reconnexion à faire, les amis. Et oui. Qu'est-ce qui vous empêche de vous amuser? Autorisez-vous, permettez-vous d'être heureux, d'être heureuse. Le chakra sacré est malmené. Donc si le chakra sacré est malmené, c'est que vous n'écoutez plus vos désirs, vos besoins, c'est que vous n'avez plus goût en la vie. Il y a un manque de saveur là. Il y a un manque de saveur au travail, il y a un manque de spontanéité, ça manque de mouvement. La vie, c'est du mouvement et peut-être que justement, vous êtes trop dans votre zone de confort répétitive et qui est du coup pas créative du tout. D'accord? Donc, il y a un travail à faire sur le chakra sacré, l'enfant intérieur. Reconnectez-vous au plaisir de la vie, à vos besoins, à vos désirs. Ben oui. Oui. Et puis, à la sexualité. Il y a quelque chose peut-être lié à la sexualité, hein. Peut-être que vous n'êtes plus aligné avec votre sexualité, hein. Comment exprimez-vous vos besoins profonds? Il y a quelque chose comme ça avec le fait de redécouvrir les plaisirs de la vie, mais aussi les plaisirs sexuels. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. On y va avec l'oracle de la lune. Trop beau votre tirage. Trop trop beau. Bon, ben voilà, ça saute. Ils ont choisi les cartes. Révision. Promotion. Bouh. Principe, intéressant ça. Compétitivité, adaptabilité et défi. Et regardez, on n'a que des énergies solaires, hein. C'est très solaire et c'est mental. Oui, c'est des énergies d'air. Elles sont solaires, mais là, on vous demande d'avoir des réflexions intelligentes. Il y a de l'intelligence émotionnelle ce mois-ci à avoir. D'accord? Ne pas prendre de décision sur le coup des émotions, mais avancer et ne pas procrastiner. Vous voyez, il y a un juste milieu à avoir. Donc ce mois-ci, révision, promotion, principe. Oui, vous allez être promu, vous allez être reconnu, vous allez être. Oh là là, on va reconnaître vos dons, vos talents. Vous allez être très demandé ce mois-ci, les taureaux. On vous attend sur tous les fronts, hein. Mais vous êtes. Voilà, vous êtes expert dans ce que vous êtes et vous êtes légitime. Et ça fait du bien, d'accord? Ça fait du bien parce qu'il y a ce manque de confiance qui repointe son nez de temps en temps. Et mais s'il réapparaît comme ça, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Il y a des choses à exhumer. Il faut creuser plus profondément encore au niveau de l'enfance. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait réglées, les taureaux. Alors, on va réviser sa manière de travailler, on va réviser l'énergie que l'on met au travail aussi.
Peut-être que vous êtes arrivé à un âge ou à un moment de votre vie où ça devient difficile d'accomplir certaines missions, certaines tâches. D'accord? Alors peut-être que vous allez demander d'autres responsabilités ou vous allez demander justement à changer de service ou à adapter vos tâches, à demander de l'aide, peut-être avoir un assistant, une assistante, peu importe. Mais on voit bien que il y a ces nouveaux désirs professionnels, ces nouvelles envies professionnelles qui amènent leur lot de réorganisation. On a besoin de joindre l'utile à l'agréable, de gagner en qualité de vie. On n'a plus envie de se tuer à la tâche. Mais c'est surtout, on n'a plus envie de se tuer à la tâche pour un travail qui n'est pas, excusez-moi, cherche le terme, qui n'est pas noble, vous voyez ? J'ai bien l'impression que pour certains taureaux, vous avez enfin envie d'être aligné avec vous-même et de créer, d'être utile au monde, au peuple, à la vie, vous voyez, utile au changement, au développement, à l'écologie, à la nature, il y a quelque chose comme ça. Et puis ça vous ressemble, hein, vous êtes un signe de terre. Pour d'autres, vous êtes dans une compétition importante ce mois-ci. Il va falloir tirer votre épingle du jeu, vous adapter, être flexible pour relever les défis que vous allez avoir. Et vous allez, bien sûr, y arriver. Mais pas n'importe quel prix. Peut-être que toute cette compétition, tous ces défis vont vous isoler un peu. Vous allez peut-être devoir vous replier sur vous-même. Peut-être que vous allez vous sentir seul et ne pas l'exprimer. En tout cas, courage et force, vous n'êtes pas seul, vous le savez, vous le savez. En tout cas, ça vous réveille. Hein. Alors, vous êtes excellent au travail, les taureaux. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose avec... Là, je vais faire ce que j'ai à faire, mais je dois faire d'autres choix. Je ne peux plus m'user à la tâche, je ne peux plus être fatigué, je ne peux plus être seul face à tout ça. Vous voyez, il y a quelque chose avec j'accepte de relever les défis, mais j'adapterai, je réorganiserai les choses pour les relever de nouveau. Bon, ça ne va pas parler aussi à tout le monde, mais je pose ça là. En tout cas, malgré la compétition, je vous vois faire un plan de bataille hein, pour justement être plus compétitif et décrocher cette promotion à laquelle vous aspirez tant. Mais ça ne sera pas, ça sera pas de tout repos. D'accord ? Donc c'est très très bon augure au niveau professionnel. Mais c'est costaud en énergie, ça va dépoter ce mois de septembre. Ok, on y va pour les conseils avec les anges de l'abondance de Dorine Vertue. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Organisez votre réussite, c'est ça. C'est ça, ce mois-ci, on organise sa réussite, ses victoires. Ne laissez pas le terme « organiser » vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. C'est ça. Là, ça, tous ces défis, tous ces challenges, tous ces obstacles de ce mois-ci au niveau professionnel vont vous inviter à une autre organisation pour être plus efficace. Donc, il va falloir vous adapter, être plus flexible pour tirer votre épingle du jeu, tout simplement. Rompez vos vœux de pauvreté. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou inconsciemment. Dans quelque vie que ce soit, les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Voilà, on y est. Si vous étiez toujours dans ces énergies de manque d'argent, il est possible, il est fort probable que vous ayez fait ces vœux de pauvreté dans d'autres vies. Et je peux vous aider à les rompre, d'accord ? Et ça se fait en soins libération karmique. Voilà, je le dis pour ceux qui veulent prendre rendez-vous. On ira ensemble couper tous les contrats, tous les pactes, tous les vœux, tous les mariages, toutes les allégeances que vous auriez fait à la pauvreté. Et puis, sortez de la culpabilité, mes amis taureaux. Hein. Brillez, 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 brillez. Brillez, autorisez-vous à briller. On y va avec le sentimental, un message de ton cœur. Il est incroyable ce tirage. Incroyable, valeur. N'ayez crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui vous tient à cœur.
vos valeurs, vos principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de votre âme. Oui, partagez vos valeurs. Vous voyez, il y a encore un truc, il y a encore cette énergie de « je suis un leader, je montre le chemin, j'inspire le monde, je n'essaye pas de rentrer dans un moule par peur du regard des gens, par peur du rejet. Non, j'assume qui je suis pleinement. » On sort du mental, les taureaux, là. On sort du mental. D'accord ? Vous êtes très efficace avec votre mental. Mais là, il est temps d'écouter son cœur, d'agir avec le cœur. Montrez-vous. Et puis, sortez de cette culpabilité. Elle revient encore, cette culpabilité. Quelle est cette chose pour laquelle vous ne vous pardonnez pas ? Apprenez de vos erreurs qui sont passées et puis grandissez au lieu de vous punir comme ça. Vous voyez ? Reconnaissez votre valeur. Elle a son importance, vous êtes important, vous êtes magnifique, vous êtes sublime, vous avez des choses à communiquer, à partager avec les autres. Et alors partagez-le avec des gens qui rayonnent comme vous, qui résonnent comme vous, qui mieux qu'eux peuvent vous comprendre, peuvent comprendre cet amour que vous avez envie de donner, cette douceur, ces valeurs, ces principes que vous avez envie d'exprimer, de communiquer. Allez, on y va avec l'oracle du langage amoureux. C'est un tirage de dingue. C'est un tirage de dingue. Coup de fouet, là. On vous met un coup de fouet ce mois-ci. Les non-dits. Le lieu de vie. La bonne récolte. Qu'est-ce que vous ne dites pas ? Qu'est-ce que vous ne dites pas ? Qu'est-ce que vous refusez d'avouer ? C'est quoi ces secrets cachés qui sont liés à votre famille, qui sont liés à votre couple ou qui sont liés à l'enfance ? Il y a quelque chose comme ça, lié à l'enfance, à la maison, à la famille, qui vous empêche de mûrir, de vous élever. Vous voyez, encore une fois, on revient sur le chakra de la gorge. Qu'est-ce que vous n'avouez pas ? Pourquoi vous vous taisez comme ça ? Et puis peut-être qu'il y a des choses, peut-être que vous avez des principes, des valeurs, un regard sur la vie de couple, sur la famille, sur la famille comme ça que vous avez, et peut-être que vous avez peur que ça dérange. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, c'est l'heure. On ne se tait plus, on arrête les non-dits. On arrête de faire bonne figure et on exprime ce qu'on a besoin d'exprimer au sujet de sa famille, au sujet de son foyer, au sujet de ce que l'on est aussi à l'intérieur de soi, hein, d'accord ? Affichez-vous, je vous le disais dès le début du tirage, montrez-vous tel que vous êtes aux autres. Il y a des parties de vous qui se cachent aux autres parce que vous pensez qu'on ne peut pas vous comprendre. Et c'est faux. Donc, montrez-vous, mûrissez sur ça et vous verrez ce que vous allez récolter. Vous allez récolter tellement de belles choses. Se sentir attirant, la méchanceté et la jeunesse. Mais c'est ça, vous avez peur de ne plus être apprécié. Vous avez peur d'être rejeté, abandonné si vous vous montrez tel que vous êtes, alors que c'est faux. D'accord ? Vous allez être encore plus attirant, encore plus attirante. Justement, si vous vous montrez dans votre naturel, voilà ce qu'on vous dit. D'accord ? Alors oui, ça va peut-être déclencher des jalousies, de la rivalité. Et peut-être que c'est déjà le cas à l'heure où je vous parle, hein, parce qu'en général, les taureaux, vous êtes très beaux, hein, très belles. Non, mais peut-être que vous êtes déjà dans ce cas-là, vous êtes déjà très séduisante, très attirante, et vous attirez de la jalousie, de la rivalité. Bah oui. Donc, il faudrait aussi aller voir pourquoi dans les énergies on vous jalouse autant ou il y a autant de rivalité vous concernant. D'accord ? Bon, en tout cas, il y a quelque chose en gestation, là, à l'intérieur de vous, vous le sentez, qui va prendre de plus en plus de place. Et c'est juste votre vérité, c'est juste ce qu'il y a de plus pur, de plus beau en vous, quoi. Vous portez en vous une nouvelle énergie plus mature, plus lumineuse, plus attractive. Hein, d'accord ? Donc il est temps maintenant de monter l'échelle. Il est temps de monter l'échelle, ça y est. Là, vous allez être promu dans vos énergies, mais aussi promu dans la vie. Il y a une promotion comme ça, énergétique, mais aussi financière.
professionnel. D'accord? Et puis pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que cette jalousie, cette rivalité, elle est grandissante, elle existe au niveau de votre famille. On vous jalouse votre réussite, on jalouse votre vie. Attention, coupez certains liens négatifs, vous serez favorable. Vous savez qui vous veut du bien, vous savez qui vous veut du mal. Donc éloignez-vous de ces personnes toxiques qui veulent votre défaite. Ok ? Et puis pour d'autres, oui, il y a cette envie de bébé qui revient, il y a cette envie d'enfant qui revient et qui va arriver. On vous dit patience et courage, cet enfant arrive, il y a un timing pour tout et tout a sa raison d'être. C'est très beau, c'est très très beau. Très 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 beau. Et puis, on vous dit prenez de la hauteur par rapport aux biens matériels et à l'argent. Ne soyez pas esclave de l'argent, ne soyez pas dominé par l'argent ou les biens matériaux. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de se détacher, de rendre à César ce qui est à César, de rendre sa place à l'énergie de l'argent où elle se situe, sans se laisser envahir par ce besoin de richesse et de possession. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, il y a... On attire ce que l'on résonne, donc tentez du mieux que vous pouvez de rester dans des énergies positives, éloignez-vous de ces personnes qui volent votre énergie, qui volent votre lumière. Parfait, on y va avec Dorine Virtue et les anges de l'amour pour les conseils amoureux pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, j'adore votre tirage. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique et séparation un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Oui. Alors, vous allez vous écarter d'une personne pour vous rapprocher d'une personne. On l'a vu, hein. On l'a senti, on voit bien. Alors, ça ne concerne pas que le domaine amoureux, bien sûr. Ça peut concerner le domaine amical ou familial ou même professionnel. On voit bien qu'il y a des gens qui vous veulent du mal et il y a des gens qui vous veulent du bien. Donc, on vous dit, rapprochez-vous des gens qui vous veulent du bien, avec qui vous vous sentez bien et séparez-vous des gens qui vous jalousent, qui veulent votre défaite, votre déchéance. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps d'ouvrir les yeux sur ça vraiment, les taureaux. Vous ne pouvez plus... Continuez. Là, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités sur ça. Ne gardez pas dans votre vie des gens malsains, des gens qui sont méchants, qui sont méchants avec vous. Clairement, je suis désolée, mais voilà, voilà, je vous donne mon expérience de vie. Il y a des personnes dans ma famille. On a beau être du même sang. Je suis désolée, mais elles m'ont voulu du mal et donc j'ai dû renoncer à elles. Vous voyez ? Il y a une famille, vous pouvez aussi avoir une famille de cœur qui vous aime. Bon. On continue. En tout cas, gardez confiance en vous, gardez confiance en la vie. On vous mettra sur votre chemin des personnes comme vous, tout simplement les taureaux. D'accord. Et puis pour d'autres, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ça va être magnétique, ça va être chimique et vous allez du coup prendre la décision de vous séparer de ce partenaire avec lequel ça ne fonctionne plus. D'accord. Et puis pour d'autres, on voit bien cette séparation temporaire avec votre conjoint, votre partenaire, qui va vous amener à rencontrer d'autres personnes avec qui c'est plus aligné, plus en résonance. Bon, vous me direz. On y va avec la conclusion. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau et l'oracle de la présence angélique. Unité. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis dans mon cœur, dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prête à me dévoiler et à me révéler dans ma nature véritable. Incroyable, c'est ça. Soyez-vous pleinement avec vos qualités, vos défauts, d'accord? Et là où vous en êtes dans votre évolution, parce qu'on travaille tous sur nous, hein, et c'est ok en fait, c'est juste ok.
l'humain n'est pas parfait. Et c'est très bien comme ça. C'est même très beau. C'est très beau que vous ne soyez pas parfait ou parfaite. D'accord ? Donc acceptez-vous tel que vous êtes dans ce moment présent. Et puis, affichez-vous. Affichez-vous pleinement. Soyez unis avec vous-même, avec toutes les parts de vous, bonnes ou mauvaises. Incarnation. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je choisis de m'ancrer, de m'enraciner et d'honorer cette place que la vie m'offre. Je m'autorise à améliorer mes capacités et je reconnais le progrès et l'évolution en moi, ce qui me permet d'être moi-même. Je grandis dans l'harmonie et l'équilibre de qui je suis. Vous voyez, toujours le même message. Soyez vous-même dans votre nature véritable. Choisissez-vous. Faites des choix pour vous. Des choix qui vous rendent heureux. Honorez-vous tel que vous êtes. Et puis acceptez votre mission de vie. Acceptez ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Et avancez sur ce chemin-là. D'accord ? Là, il est question de retrouver l'équilibre dans votre cœur, votre corps, vos émotions, dans le calme et la joie. Et de vous rappeler qui vous êtes. En conscience, de vous rappeler que vous avez une mission aussi précise ici, de vous rappeler que vous êtes venu explorer la vie, que toutes ces expériences de dualité, de mensonges, de méchanceté, de jalousie, c'est pour vous rappeler à votre être divin, d'accord ? Très beau, hein? Très très beau. On y va avec le gardien de la lumière de Kyle Gray. Kalima, affrontez la peur. Et oui, il est temps de dépasser votre peur, toutes vos peurs. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Kalima, qui est la déesse de la mort, hein, mais aussi de la peur. Donc, nouveau départ, fin de cycle. On affronte sa peur et même peut-être sa plus grande peur pour entamer de grands changements, de vrais changements, des changements fermes, lumineux, forts. Hope, amour et acceptation, l'amour est votre. Reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. Oui, reconnaissez votre valeur. On en revient encore à l'estime de vous-même. Vous êtes aimable, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes magnifique, vous êtes incroyable. Mais oui, et vous méritez le bonheur, vous méritez d'aimer, d'être aimé. Donc écoutez-le, acceptez-le et avancez, d'accord ? L'amour arrive, gardez espoir et affrontez ses peurs de ne pas réussir, affrontez ses peurs de ne pas y arriver. On y va. Avec le cristal. Quel cristal pour les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau ce mois-ci, s'il vous plaît. Pierre de lune. Vision, acceptation, réconfort. Bah oui, vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin d'amour, de féminin sacré. Vous avez besoin. Et c'est la pierre du féminin sacré. Hein. La pierre de lune est la pierre des voyageurs qu'elle protège en particulier la nuit ou en mer. Elle a une influence extraordinaire sur la capacité à faire face à l'imprévu avec souplesse et philosophie. Base solide pour suivre ses rythmes naturels, la pierre de lune vibre une énergie féminine, adoucit le cœur et laisse circuler l'énergie. Les guérisseurs l'utilisent également pour soigner les déséquilibres féminins associés à la fertilité, aux règles, à la ménopause et à la grossesse. D'accord ? Donc, voyez, pleine d'amour, pleine de paix, pleine de tendresse, de douceur cette pierre. Donc n'hésitez pas à la porter en bague, en boucle d'oreille, en collier, en bracelet. Elle vous aidera à être plus doux, plus gentil avec vous-même, mais aussi avec les autres. À revenir à des énergies plus douces. Alors, ce que je ressens, c'est que c'est surtout pour les hommes, pour ceux qui ont un yang très fort aussi, peut-être du côté des femmes. Mais là, ce qui m'est apparu, c'est que vraiment, mes chers monsieur qui regardaient cette vidéo, il serait bien de porter un bracelet pierre de lune. Ça vous adoucirait dans vos contacts avec les enfants, avec la gente féminine, d'accord ? Et puis les amis, elle va vous aider à traverser cette période d'inconfort, d'accord ? Elle va vous aider à accepter ce qui est et ce qui ne sera plus les taureaux. Parce que c'est un mois fabuleux pour vous.
On avance et on avance pour le meilleur, pour le bonheur et la joie. Voilà mes taureaux, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Mes taureaux, quel tirage! J'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis j'ai hâte de voir ce qui s'est passé aussi, hein, ce qui va se passer au mois de septembre. Hein. Ne m'oubliez pas. Partagez, likez, commentez les amis, partagez à d'autres taureaux autour de vous. Hein. Mettez des pouces, des likes, commentez. Abonnez-vous en activant la petite cloche, tout ça, ça aide et ça contribue à élever mon travail, à élever cette chaîne, à toucher d'autres cœurs, d'autres âmes qui auraient besoin de nos énergies positives et lumineuses. Allez voir les autres vidéos, ça serait intéressant d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, aller voir la guidance annuelle de 2023 pour savoir justement où on en est. Hein. C'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé ou pas. Et puis les amis, suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Je suis très active sur Instagram. Venez agrandir notre famille sur Insta. C'est un nouveau support pour moi que j'aime bien. Donc j'apprends à chaque fois un petit peu plus à m'en servir. et puis on va se voir bientôt pour le soin collectif. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour vos blocages concernant la famille, concernant votre enfance, concernant les vœux de pauvreté que vous avez faits. Et puis cette reconnexion à votre enfant intérieur et au féminin sacré. Vous avez besoin de douceur, d'amour, de tendresse. Et vous le méritez pleinement, les taureaux. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Il est magnifique. Hâte de vous lire. Prenez soin de vous. Bye bye.